L'actrice britannique Bridget Forsyth, connue notamment pour avoir joué dans Doctor Who dans les années 1960, est décédée paisiblement dans son sommeil à l'âge de 83 ans. Le monde de la télévision britannique est en deuil. L'actrice Bridget Forsyth, connue pour ses rôles dans Doctor Who et Hercule Poirot, s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, entourée de sa famille, a confirmé son agent Mark Pemberton. Bridget a eu une carrière variée et remarquable sur scène, à l'écran et à la radio, a-t-il poursuivi dans un communiqué, avant d'énumérer ses rôles les plus marquants à la télévision, au théâtre et à la radio. Bridget aimait collaborer et aider à développer de nouvelles œuvres avec des acteurs, scénaristes et des réalisateurs, ce qui l'a finalement amené à former sa propre compagnie de théâtre, Word Mills Productions en 2016. L'actrice laisse derrière elle ses deux enfants Zoé et Ben Mills, nés de son mariage avec le réalisateur Brian Mills. Bridget Forsyth, une icône de la télévision britannique née à Édimbourg, en Écosse, Bridget Forsyth a suivi une formation de secrétaire avant de s'inscrire à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, où elle avait remporté le prix Emmy Little pour son talent exceptionnel. Après des études d'art dramatique, l'actrice a fait ses premiers pas au cinéma au début des années 1970 dans le film The Night Digger, avant d'apparaître dans la comédie The Likely Lad, tirée de la sitcom à succès Whatever Happened to The Likely Lad. En parallèle de sa carrière au cinéma, elle a figuré dans d'innombrables séries britanniques telles que Glamour Girls, The Practice, Sharon et Elsie, Playing the Field, Boone et plus récemment, Still Open All Hours. Bridget Forsyth, une carrière marquée par des apparitions dans Doctor Who et Hercule Poirot. Si Bridget Forsyth était une icône du petit écran au Royaume-Uni, elle n'était pas forcément très connue en France. Peu de téléspectateurs se souviennent de son apparition dans le premier épisode de la saison 1 d'Hercule Poirot, où elle s'était glissée dans la peau de Mrs. Ernestine Todd, une femme qui avait réussi à convaincre le célèbre détective d'enquêter sur la mort de sa cuisinière. L'actrice avait également marqué le monde du petit écran en apparaissant dans le 9e épisode de la saison 4 de Doctor Who, diffusé en 1967 sur la BBC One. Article écrit en collaboration avec C-Media.